Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez une invitée spéciale qui est juste à côté de moi et qui va absolument être devant la caméra, c'est ma fille. Attends, qu'elle est là. Tu montres ce que tu en as appris. Alors on va vous faire un all nose. Et on a pris d'abord ce petit truc là qui est une petite bouteille pour boire régulièrement. C'est ma maman qui me l'a offert parce que je la trouvais trop craquante. Attends, je vais l'ouvrir. Elle va l'ouvrir, elle était à 2,99€. Ensuite j'ai pris des petites choses comme ça pour réaliser des petites gourmandises maison un peu dans ce style là, surtout aux anniversaires et tout, ça peut être très pratique. C'était 59 centimes le paquet. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tout toi. Et du coup j'en ai pris 4. Donc la bouteille est comme ceci hein, pour revenir sur la bouteille. Et vous avez une petite poche d'emballage pour la ranger à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool, elle est très jolie. Tu me donnes un autre produit, Poupette? Oui. Alors, j'ai acheté des Finley Mojito parce que dans une de mes dégustabox, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé. Oui. Donc voilà, j'en ai racheté une petite bouteille et je ne sais plus combien c'était en manche, ça devait être 30 ou 40 centimes. Oui. Non, mais casse pas les casseroles. Alors, si tu casses ça, là, on va se fâcher. Vas-y, donne-moi un autre produit, Poupette. Donc, c'est un all nose retour de course parce qu'il n'y avait vraiment que de la nourriture. À part la bouteille. Alors j'ai pris des céréales comme ça, Coco Pox, parce que j'adore ces petites céréales là. Et je crois que c'est moins calorique que du muesli. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas. Il était à 1,19€ je crois, donc ça valait vraiment le coup. C'est des petits verres. C'est des petits pots pour qui? Pour Oran. Voilà, des petits pots hips pour Oran. C'est juste de la purée de pommes de terre, mais mélangée à de la purée de carottes, c'est très très bien. Donc voilà. Oh là, on a pris des boîtes de conserve. Vas-y. Conserve. Alors... des boîtes de... Non, non. Des boîtes de conserve casse-grains, comme celle-ci. J'aime beaucoup cette marque-là au niveau de boîte de conserve. C'est vraiment bonne qualité. C'est de la légumes cuisinés sauce aigre douce. Donc à 1,99€. Ça coûte très cher déjà en magasin. Ça coûte autour de 2,50€, 3€ la petite conserve. Mais souvent, ça reste très très bon. Donc voilà, j'en ai pris. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Même si j'en achète même dans les magasins normaux. Ensuite, j'ai craqué sur du Honk Burns à 79 centimes. C'est du riz long. Je vais se cogner dans la table, ma crapouille. Du riz long gris et riz sauvage. Ça m'inspirait plutôt. Ça me donnait envie. Donc pourquoi pas. Non. C'est à moi. Oui, tu veux le montrer? Bah, tu vas le montrer, ma chérie. Sauvage. Attends. Non, tu te déplaces pas. Vas-y. Non, mais tu montres comme ça, regarde. On a acheté des petits belins comme ça, crackers. Alors ma fille, elle a envie d'aller les manger tout de suite parce qu'elle adore ces petits crackers là. Et c'est saveur fromage frais et oignon. Et on aime beaucoup, c'était à 79 centimes. Une autre, maman, une autre. Ah, c'est encore quoi? Alors tu dis à la caméra? C'est des petits pots pour qui? Pour un deuxième paquet. Ah, je vous ai dit ou pas? 49 centimes là, les deux. Enfin, le lot. Mais ça c'est... Oh, ça c'est de la sauce. On a trouvé de la sauce Australian Honey Grill de chez Amoran. On aime bien les sauces un peu comme ça, beurre barbecue ou autre. Ah, comme voilà. Elle était à 99 centimes et il y a encore une bouteille de Finlay. Elle a pas tort, ma fille. C'est shampoing. Ah, c'est du shampoing. Alors, du shampoing. Non, c'est de la sauce, ma poupette. La sauce pomme frite de chez Amora qui était à 1,04€. J'en goûte très rarement, mais j'avais envie là. Elle était pas très chère. Qu'est-ce que c'est ça, ma crapouillotte? La crème ça. C'est des céréales Coco Pops, encore une fois, mais cette fois-ci un peu mélange muesli, chocolat, Coco Pops. J'avais eu ça dans une dégustabox, j'avais adoré, donc je les ai rachetées à 1,99€. Ah, il y a des chips là. Mon mari adore ces chips là, et moi aussi, parce que ces trucs là, c'est dur de s'arrêter. C'est les Benenas 3D Bugle au goût fromage. C'est ma fille qui fait bouger la caméra, ne vous inquiétez pas. Voilà, doucement, la Brutus. Ensuite, encore une boîte de casse-grains, vous savez, les conserves que j'aime beaucoup. Et c'est haricot beurre, et c'était 1,99€, et cette fois-ci, c'est une plus grosse boîte hein, par rapport à celle de tout à l'heure. Non, c'est moi. Oui, mais attends, mais à l'endroit, je te le donne à l'endroit. On a choisi aussi de prendre du riz et du quinoa de chez Honk Burns à 1,25€. Ça m'avait l'air bien. Riz, couscous, quinoa. Riz, couscous, quinoa, donc ça m'avait l'air bien. C'est fini, il n'y a plus rien pour mettre dans le sac.
Bon ben on a fini, tu viens dire au revoir, on a tout présenté. C'était un haul rapide, en même temps avec elle fallait être... Donc je suis désolée, c'était un peu rapide. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez un autre retour de course, mais version course normale. Vous savez, les courses du magasin, au champ, Carrefour, tout ça. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'en avais fait un il y a très longtemps, donc si ça vous dit, je vous en referai un très récemment. Oui, alors tu veux montrer ce que c'est? Oui. C'était pendant les fêtes de Noël, on avait réalisé cette petite boule. Elle est mignonne, hein? Mais c'est fini Noël. Donc elle était dans le sac des décorations de Noël. Va la ranger ma chérie. Et viens dire au revoir. Au revoir. Et tu dis, vous likez. Voilà. Vous likez. Vous likez. Et vous vous abonnez. Vous abonnez. Voilà. Voilà. Allez, on vous dit à très très vite. Salut, salut.